Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ce ne sont pas des news que je viens vous apporter. Enfin, si, des news, mais pas celles de l'actualité. Ce sont mes news. Parce que je me dois de répondre à certains questionnements qu'on m'a dit, qu'on m'a fait partager et qui sont tout à fait justifiés. Et donc, voilà, c'est pour répondre, savoir le pourquoi du comment. Donc aujourd'hui, donc je ne m'aime pas comme ça parce que le soleil est tellement présent que du coup, c'est pas que je veux vraiment me montrer. Enfin bon, autant savoir à qui on parle. Donc j'ai fait une chose, j'ai changé ma page, enfin j'ai changé le nom de ma page. Qui a été le respect pour tous. J'ai mis le respect pour tous, rap, contamine et ailleurs. Pourquoi? Ben, on m'a souvent dit que on n'est jamais mieux servi que par soi-même et qu'avant de penser aux autres, il faut déjà penser à soi. Chose qui, en soi, n'est pas tout à fait idiot. Donc, je vais donc commencer par ma commune, ma cité, ma ville, qui me tient à cœur, que j'adore, que pour rien au monde je ne quitterai, parce que on est bien à la Condamine. Quoi qu'on en dise, on est bien. On a tout. On a un docteur, on a une pharmacie, on a un épicier, on a un boulanger qui nous fait du pain à se damner tellement il est bon, on a un groupe de fitness, une petite cabane qui nous fait fitness, hein, même si beaucoup disent que il n'y a rien hein, sur cette place-là, bah si, juste en face de l'école de la Condamine, parce qu'on a une école aussi, oui. Ça va de la maternelle jusqu'au CM2. Ouais, on a une école aussi. Et donc, face à l'école, il y a une petite cabane où les jeunes font du fitness. Pour certains, c'est rien. Pour d'autres, c'est très important. Parce que ça leur permet, à moindre coût, de se défouler, de faire du sport. Et pendant qu'ils font du sport, et ben, ils ne pensent pas à la misère dans laquelle on est. Pourquoi j'ai changé cette page? Parce que moi, heureusement, j'en remercie le ciel, j'ai ce qu'il me faut. Oui. J'ai pas beaucoup d'argent, hein. Et si je m'en tiens à ma pension, j'en ai encore moins. Ouais, moins que le RSA, hein, c'est pour vous dire. Hein, moins que le RSA. Et mon mari, lui, il travaille pour nourrir la famille. Donc tout ce que je le fais en autodidacte. Ouais. Et je le fais avec mon cœur. Et le peu de moyens que j'ai. Donc, j'ai décidé de porter davantage d'attention sur l'endroit où je vis tant qu'à faire, puisque j'y vis. Ah, désolé, il y a du vent, c'est une horreur. Donc, j'y vis à la Condamine. Je suis très heureuse d'y vivre. Et pour ça, je voudrais aider. Je tiens à aider. Ah, j'agis. J'aide à ma façon. Et donc, si ceux qui habitent la Condamine, j'ai discuté avec certaines personnes qui m'ont dit quand je vois tes vidéos, en tout cas les dernières, tu étais très en colère. Tu criais, tu étais très en colère. C'est vrai, j'étais en colère. Je le suis encore. Oh, je me suis calmée. Ouais. Mais la colère, elle est dans le fond. Elle est toujours là. Hein. Elle est toujours là. Ouais. Parce que face à l'indifférence, moi,
L'indifférence des autres, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse contre l'indifférence. Il n'y a pas d'excuse. On n'a pas le droit de laisser les gens pourrir dans leur misère sous prétexte que nous, on a tout ce qu'on a besoin. On n'a pas le droit. Ou alors, c'est qu'on n'a pas de cœur. Hein, je ne sais pas, c'est l'un ou l'autre. Mais quoi qu'il en soit, il y a un problème. Donc, avec la ruche aux idées, je me suis engagée à faire des projets. Et puis, dès que j'en ai un qui me passe par la tête, j'y retourne. Et j'y vais. Mais comme c'est la période des élections, j'ai aussi contacté le maire pour avoir un rendez-vous en direct avec lui, parler en tête à tête avec lui. Parce que figurez-vous que la dernière fois qu'il est venu à la Conamine, pour que justement on puisse apporter nos idées, nos convictions et ce qui pourrait aider à aller mieux, ce tract-là, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. On a invité ma boîte aux lettres, je sais pas, elle doit pas être assez visible, je sais pas. Pourtant, mon mari est adjoint, il a été prévenu au dernier moment parce qu'on l'a agrippé, on a dit tiens. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont... Je tiens, en période électorale, c'est... On va jusqu'à poignarder son meilleur ami pour pouvoir avoir le dessus. C'est terrible. C'est terrible. Ce qui est encore plus terrible, c'est qu'on préfère poignarder son meilleur ami pour avoir le dessus plutôt que de pouvoir aider. Ouais. Et ça serait mieux quand même, de pouvoir aider. Hein, que ce soit pour un parti ou pour un autre. Bon, je m'en fous, j'ai pas de parti. J'ai pas de parti, je m'en fous. Mais moi, ce que je vois, c'est que les gens soient de droite, de gauche, du centre, de l'extrême, peu importe. Pour moi, ce sont des êtres humains. Et c'est des êtres humains, certains ont besoin d'être aidés. Certains ont besoin d'un peu de compassion, d'un peu d'humilité. Alors, on m'a dit aussi, il faut passer par les réseaux sociaux. Passer par les réseaux sociaux. Ça, c'est une bonne idée de passer par les réseaux sociaux. Ouais. Mais encore faudrait-il que les gens s'intéressent à ce qu'il y a écrit dans les réseaux sociaux, que les gens y voient. Parce qu'en fait, les gens, ils regardent que ce qui les intéresse. Et la misère, ça ne les intéresse pas. Voilà. Ah, la misère, ça ne les intéresse pas. Aller faire la fête, ouais, ça les intéresse. Rencontrer des artistes, ça les intéresse. Rencontrer des gens haut placés, ça les intéresse. La misère, ça les intéresse pas. Non, c'est pas dans leur dictionnaire. C'est pas dans leur façon de faire. Et quand je vous dis la misère, c'est pas seulement la misère d'habiter sous un carton, ou de ne pas avoir de quoi manger, ou de ne pas avoir de quoi s'habiller. Il y a la misère dans les écoles. Dans les écoles. On nous apporte des choses dont on n'a pas besoin, et puis celles dont on a vraiment besoin, on ne les apporte pas, c'est pas utile. Non. Par exemple, l'enseignement. Nos enfants ont besoin d'apprendre. Ouais, ils ont besoin d'apprendre. C'est pour ça qu'ils vont à l'école d'ailleurs, sinon on va les garder à la maison. Hein. Ouais. Ils ont besoin d'apprendre. Et donc ils vont à l'école pour apprendre. Sauf qu'ils n'ont pas le job d'apprendre. Ah non. 2 heures par semaine, c'est juste pas possible d'apprendre. Non. Alors, soit tu es un super doué et on te fait passer pour quelqu'un de pas normal. Soit tu n'arrives pas à adhérer et tu n'arrives pas à aller assez vite parce que ça va trop vite et que toi, tu as la tête ailleurs. Et là, pour le coup, tu passes pour le cancre. Ouais, le petit garçon, ou peut-être fille, comme de côté, parce que. Eh non, pas passé. Alors, on l'a pris un peu de récréation. La maîtresse reste avec elle, mais on l'a pris un peu de récréation. Ouais, histoire qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle aille plus vite.
il a été fait. Enfin, on va parler d'un enfant, c'est plus simple. Hein, il n'y aura pas de sexe comme ça. Et sauf que je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que le but de l'école, c'est d'apprendre aux enfants à écrire et à penser. C'est pas le vôtre. Parce que sinon, encore une fois, comme je vous le dis, on ne regarde pas la maison. Nous, notre but, c'est d'élever nos enfants du mieux possible. Faire en sorte qu'ils aient des bonnes bases au niveau de la maison et qu'ils puissent se débrouiller plus tard. L'école est là pour aider. Aider dans le sens où on devrait leur apprendre à lire, à écrire et à compter. Mais dites-moi, à quoi ça sert d'apprendre à lire, à écrire et à compter si maintenant on a les ordinateurs? Ah ouais, il n'y a plus besoin. L'enfant a plus besoin de manipuler son poignet pour tenir le stylo et pour écrire correctement, puisqu'on a les ordinateurs. Puis avec les ordinateurs, bah, on n'a pas besoin de savoir bien écrire, hein. Il y a le correcteur orthographique. Et ouais. Donc, je me dis que le temps passé devant un ordinateur, dont on nous fait le reproche d'ailleurs, parce que les enfants sont trop souvent devant l'ordinateur à la maison. Ouais, ouais, ouais. Ah, ils ont le droit d'être devant l'ordinateur à l'école, mais pas à la maison. Non, à la maison, mais ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de se défouler à la maison. Non, non, non. Bref, ceci étant, l'apprentissage se fait à l'école. L'école est là pour apprendre aux enfants comment on écrit un mot, comment on le lit, comment il se compose, comment elle compose une phrase, comment on la détaille. Elle est là pour l'orthographe, elle est là pour la grammaire, un peu d'histoire, de la science, un peu de science, des maths. Bon, c'est avec l'histoire de Condé, hein, ça revient au même. Des maths, de la gym, voilà. Aujourd'hui, on fait quoi? Aujourd'hui, on fait quoi dans les écoles? Je sais pas. Je sais pas ce qu'on fait dans les écoles. Je sais que les enfants ont un rôle de ministre, qu'ils ont des cartables qui sont aussi lourds que... Ah ouais. Non, mais c'est histoire de leur défoncer un peu le dos. Ouais. Parce qu'au final, si l'ordinateur, il est en classe, à quoi ça sert tout ce merdier dans le cartable? Hein, à quoi ça sert? C'est pour qu'ils fassent les devoirs à la maison. Je suis contre les devoirs à la maison. Je suis contre. Les enfants ont déjà leur travail à faire à l'école. Ils n'ont pas besoin de travailler à la maison. La maison, c'est un endroit où on se pose, hein, où on se décontracte, où on passe un moment en famille. Et où on peut se raconter notre journée, comment ça s'est passé, est-ce qu'on a été bien, est-ce que notre journée nous a plu, est-ce que... voilà. La maison, c'est le cocon familial. C'est là où on se trouve tous les soirs. Ouais. Allez, c'est là où ça se passe. En dehors du travail à la maison, en dehors du travail, pardon, en dehors du travail à l'école. Eh ben maintenant, on sait travailler à la maison. Bah oui. Ah, mais non, mais les enfants, faut pas trop qu'ils réfléchissent non plus. Hein. Parce que les enfants, ils sont intelligents. Oui. Ah oui, j'ai parlé avec des jeunes ados de la Conda. Mais si vous saviez l'intelligence qu'ils ont. Mais si vous saviez qu'ils ont. Mais si vous saviez comment ils ont une façon de voir la vie qui n'effleure même pas certains adultes. Celle-ci, non. J'ai été agréablement surprise de parler avec eux. Alors, on va me dire, ouais, la jeunesse actuelle, c'est du n'importe quoi. Mais on a été chercher pourquoi est-ce que la jeunesse actuelle, c'est du n'importe quoi. On a été chercher. Peut-être que les enfants, ils sont juste écartés de l'école parce que l'école ne leur apprenait rien, ne leur apportait rien. Peut-être que les enfants se sont mis hors système parce que ce système ne leur convenait pas.
Peut-être que les enfants sont devenus des délinquants parce que bah ils auraient bien voulu manger une orange mais qu'ils n'ont pas les moyens. Bah non. Alors il y en a, ils vont me dire, mais ils ont qu'à bosser. Mais oui, bien sûr qu'ils ont qu'à bosser. Alors oui, il y en a, ils ont de la chance de trouver un travail. Ils bossent. D'autres ont moins de chance. Ils cherchent, mais ils ne trouvent pas. Alors, ceux qui travaillent pas, ils travaillent pas, ma foi. Bah, souvent, ils sont obligés de voler pour manger, pour nourrir leur famille. Bah oui, leurs parents, qui eux, bah, sont devenus trop vieux ou trop malades pour manger. Et puis, vous avez ceux qui ont la chance d'avoir eu un travail. Quoique, chance, je les mettrai entre parenthèses quand même, hein, parce que ils ont la chance d'avoir trouvé un travail. Du coup, Macron rappe tout, il leur prend les impôts, forcément. Ben oui, il leur prend les taxes. Ce qui fait que le jeune qui arrive à trouver un travail au SMIG, voilà, parce que le SMIG est quand même à 1300 brut. 300, 1400 brut, je sais pas. Je suis loin du swing, moi je suis là en dessous, largement en dessous, j'ai perdu. Hein, Ouais, ben une fois que les taxes, Macron rappe tout et tout le reste sont passés par là, il lui reste 700, 800 euros par mois pour 8 heures de travail quotidien. Et avec ces 800 euros par mois, ils vont devoir payer un loyer, ils vont devoir nourrir leur famille, ils vont devoir se nourrir eux-mêmes. Et il leur reste quoi après pour se distraire, pour se changer les idées, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même des adolescents, qu'ils ont toute leur vie devant eux. Enfin, ceux qui échappent à tous les virus et toutes les merdes qu'on nous envoie sur la gueule. Ils ont quand même. De la jeunesse à faire. Ils ont l'expérience de jouer avec. Enfin, de jouer. D'être en bande avec tes copains, partager des idées. Ils ont le besoin de lier des relations, qu'elles soient amicales ou intimes. C'est des besoins auxquels ils n'ont pas le droit. Parce que s'ils trouvent du travail, rappe tout, ne leur ramassera pas grand-chose. Faut travailler, bah ouais, faut alimenter le système, bah ouais. Donc, bah il y en a, ils trouvent des systèmes D. Je vais pas vous les raconter, je vais pas vous en faire une liste. Tous ceux qui m'écoutent et qui comprennent ce que je veux dire connaissent le système D. Et je voudrais vous dire que je veux pas, je ne suis absolument pas pour juger et que, au contraire, je suis de votre côté. Je suis de votre côté. Parce que la vie qu'on mène, si on n'arrive pas à avoir un système D, eh bien, si le système va complètement de ce. C'était j'aime ma condamine, j'aime ma cité, j'aime ma petite fille. Seulement, il y a des choses à apporter encore, encore et encore et encore. On commence petit, voilà. La condamine, ceux qui se baladent avec une voiture d'il y a 30 ans. Mais elle roule, c'est le principal. Ouais. Pas besoin d'avoir la dernière Mercedes hein, pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Juste une voiture qui roule pour pouvoir se déplacer.
plein d'essence. Ok, tant qu'il y a de quoi alimenter le moteur, en fait. Ouais. Sinon, on prend le vélo. C'est une bonne idée aussi. Ça fait du sport. Ok. Ce que je veux dire par là, et tous les rapports que je fais avec la condamine, c'est que ce qui se passe à la condamine, c'est ce qui se passe partout dans le monde, en fait. Ouais. La condamine est représentatrice de tout ce qui se passe à côté. Je vous dis la condamine parce que j'y vis forcément. Et encore une fois, j'adore la condamine. Mais elle est représentative de tout ce qui se passe on va rester en France. De tout ce qui se passe en France. Tout. Tout. Et donc je me dis que si on veut faire un pas en avant, on va commencer petit. Là. Parce que on ne connaît pas des gens assez intéressants et assez intelligents et assez fortunés pour aider. Là. Ces gens-là, ils font acte de présence au niveau d'une réunion. Mais ils font pas de chèque à la fin. Ah non, non, on se garde notre pécule. Ou alors on se l'envoie dans des pays où on n'est pas. Même sur des débats. On protège. Ah oui, mes enfants, mais c'est le revers de la gloire. Tu fais raquer les Français, l'argent qu'on te donne, tu l'envoies à l'étranger. Ouais. Ce qui fait que du coup, les Français, ils n'ont plus d'argent. Ouais. Et même pas tu les remercies parce que grâce à toi, grâce à eux, ils se sont fait. Tu t'es fait un pognon pas possible. Et au final, bah, l'argent, bah, tu ne le partages pas. Bah, il rien pour toi. Ah oui. Oh là là. Elle est belle la vie. Elle est belle. Tu remarqueras, hein, je ne suis pas mise en colère. J'ai pensé à toi. Je ne me suis pas mise en colère. J'ai dit les choses. Je ne me suis pas mise en colère. Et j'ai pas envie de me mettre en colère. Parce que la colère est mauvaise conseillère. Et de toute façon, ça ne sert à rien. Hein. Ça sert à rien de se mettre en colère. Ça sert à quoi? Bon. Deux, trois baffes bien envoyées, ça fait l'affaire aussi. Bon, ben voilà. Tout ça pour vous dire que j'aime ma condamine, que je veux aider les gens qui habitent, les citoyens qui font partie de la condamine, de DRAP, bien sûr, et qui sont dans le besoin, et qui n'osent pas le dire parce que c'est honteux. C'est honteux d'être dans le besoin. C'est honteux de demander de l'aide. C'est honteux. Donc les gens, ils n'osent pas. Et comme ils n'osent pas, eh ben, ils ne peuvent pas avancer du fait qu'ils n'osent pas demander. Moi, ce que j'aimerais, c'est réunir tous ces gens qui n'osent pas. Qu'il y ait une confiance qui se développe entre eux. Et qu'au final, ils finissent par oser. Qu'ils puissent t'aborder dans la rue tranquille et qu'ils te disent bah, écoute, tu sais quoi, c'est compliqué pour moi ce mois-ci, je peux pas m'aider. Ça me ferait plaisir. Ça serait top. Et pour cela, il faut de la patience. Ouais, il faut du courage. Il faut de l'aide. L'aide qu'on a au bout. C'est pas grave, parce que plus que tout, et ceux qui sont avec moi et ceux pour qui j'essaye d'aller de l'avant, on a de la volonté. Et quand on a de la volonté, on a des idées. Et quand on a des idées, ben, on peut faire avancer les choses. Et quand on fait avancer les choses, ben, c'est du pur bonheur. Voilà. Donc, je ne vous embête pas davantage. On est le mardi 4 février. Et ouais, mardi 4 février. Je vous souhaite à tous
une excellente journée. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Partagez. Et en attendant une prochaine vidéo, et ben, portez-vous bien.